on dirait que c'est gelé. Oh. Ouais, continuons par là en tout cas. Bon, voilà. Suffisait de demander. Oh, je crois que j'étais dismonte de force. Il est possible qu'il y ait une invasion ici. Voilà. Edgar le Cédor. Oh, bah voilà. C'est le père de l'autre là. Ah, mais c'est pas moi, hein. Bon, t'avais qu'à être près de ta fille, hein. Ah ouais, d'accord. Quand tu disais je les tuerais tous, je pensais que tu parlerais de... Bah, des gens responsables, en fait. Pas de moi. Oh, c'est stylé, ça, par contre. Oh, merde, j'aurais adoré de backstab, là, pour me soigner. Ouais. Ok, avec la hallebarde, c'est un peu relou. J'aimerais bien lui briser... Oh la vache, j'ai eu tellement de chance là. J'aimerais bien lui briser sa posture en fait. Ok, plus droit à l'erreur. Oh, c'était short là. Ok. Repose en paix. Tu vas pas retrouver ta fille. Fruit de Chabiri, encore. Oh. Putain, c'était chaud ce combat. On n'avait plus lutté d'astuces. Ah si, ah non, il nous en a redonné, ouais. Ah mais c'est tous les gens qu'il a tués, ça. Il a retrouvé les agresseurs de sa fille. Ouais, apparemment ils ont fini. Ils ont assez mal fini, hein. Ok. Bon, bah, au moins cette storyline est terminée. Ça a l'air d'être des humains qu'il avait tués. Bah oui, c'est des bandits, en fait. À mon avis, c'est juste ça. C'est des bandits qui l'ont tué pendant qu'on avait le dos tourné. Et du coup, il a retrouvé leur planque, quoi. Et tellement consumé par sa rage et sa tristesse, bah, il s'est tourné vers tout ce qui arrivait, quoi. Il a dû nous prendre pour un bandit, en fait. Aussi, potentiellement, quand on est arrivé ici. Il devait attendre tous les complices qui revenaient. Et il les tuait... Il l'est tué sur place. Ok. Donc ouais, on va juste refaire le plan comme dit. Oula, la map a pété un câble. Ah oui, j'ai pas regardé la hallebarde non plus, mais elle est améliorée. Hein. Plutôt intéressant. On ne joue pas hallebarde bien sûr, mais on va regarder ça. Oh, oh. Non, j'ai cru que j'allais me faire une veille encore. Alors. Hallebarde finement ouvragée aux ornements antiques, remise aux chevaliers contraints de quitter leur foyer pour des raisons obscures, peut-être en guise de blâme ou simplement par la force des choses. La plupart furent envoyés dans les confins où ils s'établirent avec leur peine comme seule compagne. Et frappe tournante, c'est le truc qui faisait là où il s'est tourné la lance au-dessus de sa tête et tout, qui était assez stylé. Du coup, on pourrait réutiliser cette technique aussi, ce qui est plutôt cool. Voyons voir Gideon vite fait, là. Ouais, reparle-moi du médaillon, vite fait. Une grotte à l'ouest des ruines de Laskiar. D'accord, c'est les ruines de Laskiar qu'il faut qu'on trouve. C'est les ruines de Laskiar. On va aussi vite fait voir si on peut améliorer nos rapières. Ce qui ferait mal au burn si on en trouvait une meilleure, là, la rapière de glace notamment. Voyons voir. Alors, il faut des pierres de forge 3. Là, par contre, il en faut des... Il en faut 6. On va continuer d'améliorer celle-là, hein, je pense. Les pierres de forge 3, ça veut pas tomber. Hein.
L'arc long, on va continuer avec, je pense, hein. Voilà. T'aurais pas... Je me souviens plus, t'as des flèches, toi? Non. Non, non, non. T'en as pas. Soit les rines de l'Askiar. Église de la Rose, quartier du Temple... C'est peut-être ça. Les runes qui émergent. Ça se trouve, c'est ça, c'est pas Rhea Lucaria. Non, si, je pense que si. Donc c'est quelque part par là, quoi. Il y a des ruines quelque part là-dedans. Elles se trouvent à l'ouest de ça. Alors je sais qu'on a dit qu'on verrait la côte ouest d'abord. Mais c'était dans le but de trouver cette... J'aimerais bien trouver la nana d'abord, en fait. Donc, ça émerge du lac, donc c'est des ruines. Donc c'est soit là-dedans. Ouais, j'imagine qu'on va partir du bas, en fait. Oui, il y a un marchand, là, c'est vrai. On va voir s'il a des flèches, lui. On va voir s'il a des flèches et... Ah oui, du coup, je réalise, là, ils ont rajouté... Je sais pas si c'était déjà là. C'était pas déjà là, les marqueurs de PNJ, là. Hein. Ça a été rajouté, ça. Donc tous mes marqueurs que j'ai mis comme quoi il y a un marchand et tout, je peux les virer en vrai. Bon, c'est donc pas comme si je me battais pour en place au niveau des marqueurs, mais... Alors, non, je vais acheter moi. Il a des flèches, en effet. Eh ben j'en veux. J'en veux. Ouais, une cinquantaine. Voilà. C'est merde. On va les équiper. Parfait. Ok, en plus on a amélioré notre arc, donc ça devrait être pas mal. Donc... Non, le cheval, faut que tu fonctionnes, hein, au bout d'un moment. Il faut... Allô ? Merci. Donc, on va commencer par... Alors, les runes dessinées sur la map, hein, donc celle-ci d'abord. Voyons voir. Ma balise n'apparaît pas. C'est la balise numéro 2. Ok. Soit. Oh, c'est quoi ce truc là? C'est le marchand d'où on vient, tout simplement. Qu'est-ce que... Ah oui, je me souviens de ces mecs là. Oui, oui, c'est vrai. Bon, on va pas s'approcher d'eux, hein. Ils ont pas de bonne vibe. D'accord. Où est ma balise? Là-bas. Bon, c'est des ruines qui émergent de l'eau. Oula, ils sont beaucoup, hein. Oula, ils me lancent des spells aussi, hein. Je sais qu'il va niter à mes pieds, mais... Oula. Oh, cette maniabilité, vous avez vu ça? Oh là là. Oula. Attendez. Ok. Il se passe des choses, là. Oh, il y a une grâce. Oh, j'aurais bien aimé... Vous savez quoi, il y aura plus d'enjeux si je la prends pas tout de suite. Oula. Parfait, nickel. Oh merde, il a fait le même. Oula, ça va être gros ça. Oh, il manque plus grand chose. Oh, t'es coincé dans le mur. Ah non, je crois qu'il était pas mort, ok, tout va bien. Mais il y a des gens de pire déclin, on s'en souvient. Graisse glaciale, oh. Du coup, maintenant, on peut appliquer du gel sur nos... C'est pour ça le bougeron cristallin, d'accord. Des effets de congélation, ok, cool. C'est vrai que je voulais... Là, je m'étais dit la dernière fois que j'avais record que je voulais me renseigner vraiment sur ce que font tous les... Toutes les altérations. Et je l'avais pas fait. Parce que ça a l'air d'être tout un peu la même chose. Ouais, faudrait que je me renseigne. Bon, bah on les a trouvés. Donc à l'ouest. Alors c'est pas cette grotte là. Attendez, c'était où la grotte qu'on avait trouvée? C'était ça.
En quant aux stagnantes, ouais, c'est autre chose du coup. Ouais, ok. À l'ouest, du coup, de ces ruines, il y a une grotte. Eh bien, soit. On a pris la grâce? Oui. Essayons donc de nous rediriger vers l'ouest. On va voir si on trouve l'albinorique. Oh. C'est un peu glauque comme ambiance, hein, je dois l'avouer. On va y aller mollo aussi parce que voilà, il y a des choses du style. Une grotte à l'ouest. Il y a beaucoup de ces mecs là. On va allonger les murs. Oh, c'était une grâce ça? Non, pas du tout. Non. Faisons attention. Enfin, le mieux, ce serait d'avoir la map en vrai. Comme ça, elle nous indiquerait où est-ce qu'elle est la grotte. Je crois qu'on l'a raté, hein, honnêtement. Quoique, non, on n'est pas si à l'ouest que ça encore. Voilà, continuons de longer par ici. Ok, bingo. Bingo, bingo. Parfait, allons voir. Oh merde. Mais on va s'affronter du coup? Non. Elle va être quelque part là-dedans. On va la sauver et... Ok, bon là, je fais pas le malin. Là, j'active ma torche. Hein. Hop. Enfin, ma lanterne, vous m'avez compris. Ok, la grâce est là, parfait. Oh! Alors, je m'installe avec ça aussi. Parfait, on est comment au niveau. On a 5000 âmes, ok. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une albinorique? Non. Une artéria, ok. Alors, ok. Est-ce qu'on peut aller tout en bas? J'ai l'impression que oui, en plus, hein. Oh. Bon, c'est grand. Et c'est sombre. Comme mon cœur. Donc. J'allais dire, essayons de voir un peu les ennemis qui nous attendent là, mais c'est encore ces foutues gargouilles. Non, pas du tout. Ah, c'est un homme bête. C'est un homme bête, c'est quoi? Ça, ceci dit, ils aiment bien traîner dans le noir, ces saloperies, là. Ok, on va d'abord s'attaquer au niveau inférieur. On peut se repérer avec les sources de lumière. Je crois que je suis en train de me faire contourner. Je te vois. Il y en a plein. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, l'alerte est donnée, visiblement. Au, 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 au. J'ai failli tomber dans le vide. Pff, encore. Bon, on se souvient que, soi-disant, il y avait un truc, si on arrivait à tuer leur chef. Ok. C'est bon maintenant que tout le monde est venu à moi. D'accord. Il faut descendre en bas. Donc on va d'abord nettoyer le niveau supérieur. Oh, ça va être un autre de ces boss comme la première fois là. J'ai aucune envie d'affronter ça. Enfin, ça serait peut-être bien plus simple maintenant, bien sûr, mais. Regardez qui a trouvé le bon chemin du premier coup encore là. Oh wow, il y en a un là déjà, ok. On peut se mettre un marqueur là. Attendez. Voilà. Je reviens.
Ah, c'est stylé, hein, mais... Hop, on va remonter par là vite fait. Je crois qu'on a attiré tout le monde, honnêtement, mais généralement, quand il y en a un qui crie, tout le monde est au courant. Comment ça se grappille par là? Ah bah, visiblement, non. C'est leur toilette. Mousse des cavernes, ok, c'est fait. Tout doux, hein, on n'a pas envie de marcher dans un trou. En étant attiré bêtement par une lumière. Pas s'imposant, cool. Ok. Je pense qu'on a tout vu là. Donc le marqueur va pas servir. En fait, là, je pensais qu'il y aurait plein de galeries et de trucs comme ça, mais non. Bon. J'aimerais me cacher dans le buisson, déjà. Ah, oh, il m'a vraiment vu! D'accord. Oh, je suis content. Je suis content de la mécanique des bugs, du coup. Hein. Ok. En plus, il était énervé. Bon, il y en a, j'en entends à ronfler. What? T'as rien vu. Je pourrais pas le backstab lui, je pense pas. Ok, regarde, on va se le mettre. Ok. Ok, ok. Une fois de plus, hein. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ils nous mettent un truc qu'on a affronté au début. Bon, là, il est tout seul, hein, bien sûr, c'était pas la même condition de combat. Et là, c'est bien plus simple de vous dire, oh, je suis devenu bon, je suis devenu fort. Et oui, c'est ça qui est trop bien dans les Souls. C'est rire à vos difficultés du début. Le Taurus Daemon, au début, là, quand il vous défonçait. Et après, plus aucun souci. Talisman de la lance. Comment dire que moi, je cherche une fille, pas un talisman. Ah oui, il y a le boss, c'est vrai. J'oubliais que... Améliore les contre-attaques des armes d'Esto. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! C'est vachement bien ça! Talisman représentant une lance et un soldat. Améliore les contre-attaques exécutées avec les armes d'Esto. La lance est une arme très répandue chez les soldats de l'Entre-Terre. Grâce à elle, il est possible de répondre aux assauts d'un ennemi par une contre-attaque dévastatrice. Alors est-ce que ça marche avec les épées d'Esto? Je pense, hein. Ah bah, encore une fois, il me faudrait un... Déjà, faudrait que j'arrive à placer une contre-attaque, là. Déjà, je peux le faire que dans cette position. Parce que dans cette position que je peux garder. On va essayer, on va voir à quel point ça améliore. Ah oui, il fallait qu'on descende, c'est ça. Elle va être complètement morte, la fille. C'est sur son cadavre qu'on va le trouver l'indice. Oh merde, en parlant de complètement mort. Ouais. Bon, ça permet de voir qu'on peut aller tout en bas. Hein, c'est... voilà. C'était pour valider l'info. Oh, ils vont tous avoir respawn. Non. Soit. Testons notre contre-attaque du cul, là. Quoi? D'accord, c'est un grab. Envie de canner. Vas-y toi, appelle tes potes. Il faut que tu frappes. D'accord.
Ça m'a déjà gonflé. Je vous déteste, les hommes bêtes. Allez, grave. Attention. Hein. Wow. Il va me faire tomber, ce con. Ah, c'est une nouvelle contre-attaque. Je crois, hein. Oh oui. Oh oui. Je crois que c'est une nouvelle, hein, parce que... Attendez, je vais l'enlever. Faut que je trouve un nouvel ennemi, bien sûr. Ok, Ow. Alors par contre, juste deux secondes, il y a mes runes juste là. Ah, donc merci. Non, c'est pareil, hein. Par contre, si je peux améliorer mes contre-attaques, du coup en avoir plus souvent, et du coup bénéficier du soin des coups critiques, là, c'est vachement bien. Hein. Comme plan de bataille. Attendez, pourquoi il y a un emplacement vide là? Ah, l'arc, ouais. Ok. Pourquoi pas écouter, hein. Bon, ça serait bien de garder le truc de régène d'endurance là. Sans même trouver un troisième slot en fait. De. Un troisième slot. Putain, je suis remort de la même manière. Ceux qui n'apprennent pas des erreurs du passé, ils sont condamnés à les refaire. Oui, je sais. La dernière fois, j'ai voulu m'approcher aussi, voir où est-ce qu'on pouvait tomber. Et je suis tombé... Je sais. Merde. Je ne voulais pas faire ça. Tant pis. C'est pas grave. Du coup, j'étais obligé de les retuer parce qu'ils vont me tomber dessus si je saute. J'y vais. Est-ce qu'il m'arrive dessus, là? J'ai pas de musique de combat, alors moi je dis que non. C'est encore très haut, hein. On va essayer par là. Ah, mes runes! Ah ouais, bon point, ça. Oh non. Et je peux pas remonter. Oh non. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je force travailler le boss, que je revienne par la porte et que je récupère les runes. Donc là, les enjeux sont incroyables. Oh, il y a des cristaux partout. Je vais jamais le first try, ce boss. Qu'est-ce que c'est que ça? Un escarre cristal. Qu'est-ce que... En plus, il y a d'autant plus d'enjeux puisque j'ai... Qu'est-ce que... Puisque j'ai activé ma rune majeure. Oh, je te backstab. Je ne peux pas. Backstab un escargot, quelle idée incroyable. Sachant que son dos est la partie la plus résistante. par là. Rien, que dalle. Bon, ça sent le boss cristallin. Hein. Deck de lancer, toujours. Ok. D'ailleurs, on va... J'en avais pas équipé des dagues de lancer, si, voilà. Histoire de... Oh, j'ai des cucris aussi. Histoire de pouvoir pull des mecs, là. C'était quoi le truc qui faisait le plus de dégâts? Ça ne le dit pas. Je crois que c'est celle-là, hein. De toute façon, on n'a pas d'intelligence, donc bref. C'est par là? C'est par là. Oh, je vais tout parier sur cette tentative. Hein. Il y a 6000 âmes en jeu, potentiellement les âmes aussi de du boss. Waouh, ils sont beaucoup. Putain! C'était des simps! J'ai tué la seule femme du groupe! Du coup, forcément, ils sont tous pas contents. Ah!
Ouais, dans le couloir, là, ça risque d'être très relou. Oh! C'est con, il y avait de l'idée, hein. Ok, l'idée est toujours bonne. Oula! Mais attendez. Non, c'est pareil, hein. Ouais, strictement pareil. C'est vraiment contre-attaque quand on te frappe. Ok. Tout ça pour une rune dorée. On y va tout doux, hein, parce que là, le boss est encore très bas. Et si on meurt, il y a beaucoup de chemin à faire avant de le atteindre. Donc ouais, on va y aller gentiment. Hein. Oh, il y a un camp là-haut, là. C'est celui du départ? Non. Je ne crois pas, on pouvait peut-être tomber dessus. Ou alors non, c'est l'entrée, oui d'accord. Et là, comment on descend sans mourir? On peut? Oui, il y a un truc dans le mur? J'ai pas trop envie de leap of face. Ah mais il y a une plateforme là, je la vois. Attendez. Pas envie de leap of face vu les enjeux qu'on a avec tout ce qu'on a activé, hein, mais... Ok. Parfait. Coton doux. Étrange, comme endroit pour trouver du coton, mais... C'était short. Oups là, c'était encore plus short. Qu'est-ce que tu fais? Non! Nous n'avons que 6 astuces pour réussir ce boss. Non mais vous croyez en moi, de toute façon je le sais, je le sais. Ok, on peut sauter. Bon, est-ce qu'on peut cibler des choses? Il y a l'air d'avoir rien. Cool. Cool. Acceptable. Putain, mais rien que là, on récupère tout, on revend, et c'est bon, on part à la retraite, hein. Elle est où la porte? Oh merde. C'est ça l'arène? Vous êtes combien là? Oh merde. Oh ma manette! T'as pas le droit! Reviens! Oh putain! Alors là... Oh putain de merde! T'as juste pas le droit de faire ça! Sans déconner quoi! Tout est contre moi! C'est maintenant! Ah c'est parti! Chevalier... Quoi?! Darry Will! On te connaît, on te connaît. 2 secondes. Je te connais tellement bien que... T'as les mêmes patterns, je le sais. Sans déconner. Toi ici. Oh, son dash est plus long là. Est-ce que t'as une deuxième phase? La concentration est totale. Oh, oh j'ai tenté hein. J'ai pas eu le réflexe, mais j'ai tenté. Oh merde. Non.
Nice. Oh, ça c'est pour avoir plus de points de compétences, je pense. Nice. Putain, on est trop fort. Oui, vous aviez raison de croire en moi. Ok, cool, ça nous passe à combien? 96, c'est même pas assez pour invoquer le mec sans tête. Mais non, un crusty d'ombre s'est ruiné, augmente les points de compétence maximum. La sève ancienne pétrifie de l'armement se transforme en ombre. Une pierre élevée au rang de joyau pendant l'ère de Godfrey, le premier seigneur d'Elden. Il renferme une énergie vitale primordiale. Cool, on commence à avoir masse talisman, hein. Masse talisman inutile aussi, au passage, mais enfin, inutile pour nous, bien sûr. Donc attention, toujours pas le droit de mourir. Toujours pas le droit de mourir. Ah, elle serait là, la fille? Oui, oui, oui. Oula! Ça va? Foul tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Privé de mon âme sœur n'était pas assez. Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Oui, oui, oui. Then I have no choice but to trust that this was his dying will. Je pense aussi, oui. Try again. I'm Latena. Oui. An Albanoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presumed the worst. Seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute. C'est qui là, l'autre là? Celui qui entend tout et qui est déjà venu et qui a visiblement tué ton loup. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf Loba. Will you show me the way? To the land of Mikola's Halic Tree. If you accept. I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion. D'accord. Alors, je sais pas où est le territoire de Mikela, ni son arbre au monde, mais bien sûr. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the forbidden lands, north of the Erdtree. Au nord de l'arbre. Castle Sol. Sol Castel, sur les cimes des géants. Of the giants, accessible by the grand lift of Rold. Mais attends, le médaillon n'était pas censé activer l'ascenseur de Rold? Bah oui. Ouais, c'est pour avoir un raccourci. Attends, quoi? En d'autres termes, ce médaillon secret guérira son porteur vers l'arbre sacré de Mikella. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. My better half. F. I will go with the tarnished, so that our journey will not have been in vain. Forgive me, Lobo. Oh, elle nous accompagne comme. And I will fight at your side. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est trop cool que ça se fasse comme ça. C'est une légendaire, bien sûr. Elle demande 74, hein. On peut l'invoquer. Je pense que je le ferai juste pour le lore, là, pour le coup. Ça pourrait être stylé, en vrai. Pour le lore, de vraiment faire le chemin avec elle jusqu'à l'arbre monde. Et une fois qu'on l'aura atteint, on la retirera. Des restes de cendres dans lesquels demeure encore une arme. Utilisez cet objet pour invoquer l'esprit de Latena l'Albinoric. L'une des rares personnes à avoir délibérément choisi de devenir un esprit. Latena était réputée pour son habileté au tir à l'arc magique. Toutefois, privée de son compagnon à deux. Adorée, un loup répondant au nom de Lobo, elle est incapable de s'éloigner de l'endroit où elle a été invoquée. D'accord. On va le mettre à la place de l'archonique parce que je l'utilise trop de fois par mégarde. Alors, tac. Est-ce qu'on peut pet the wolf? On ne peut pas. Visiblement, alors je sais pas c'est qui, dernier refuge du loup. Je sais pas de qui elle parlait, le sans éclat qui entend tout.
Mais si pareil, pendant notre aventure, on peut le trouver et venger Lobo, ce serait formidable. Ok, d'accord. Bon, l'arconique qu'on a dépensé par erreur, on le récupère. C'est formidable. Avant de partir hein, et de faire une bêtise, on va revenir. Bien sûr, récupérer les âmes, du coup, hein, on se rappelle, il y avait des enjeux. On avait laissé des âmes à l'étage. Donc on va revenir les chercher avant de crever. Qu'est-ce que... Aussi, oui, je me suis rappelé d'un truc. Alors, ça commence à faire un moment maintenant. Mais au château de... Au château de Godric, on avait trouvé une statue. Où, vous savez, il y avait un message qui disait « Apportez géant... Oh. Apportez géant pour péter la statue, pour avoir quelque chose dedans, là. » Au final, on l'avait jamais... ça n'avait pas marché parce qu'on essayait avec le mec juste à côté. Mais je crois... j'y réfléchis après parce que j'ai vu les images depuis... Que ça marche avec les trolls, en fait. Et vu qu'il y a un troll un peu plus loin dans la map, juste avant Godric, il est possible que ça soit lui qui faille pull jusqu'à la statue pour essayer de la péter. Donc ouais, on va d'abord récupérer nos âmes. Et on va faire ça tout de suite avant que je l'oublie, hein, tout simplement, parce qu'il est très très probable. Parce que là, c'est mes dernières minutes de record pour cette session de jeu. Donc il est fort probable que j'oublie. Que je voulais faire ça. Donc on va le faire là juste après. Je vais juste récupérer mes âmes et essayer de péter cette fameuse statue. J'ai éteint ma lanterne, rappelons-le. On n'avait tué personne ici, donc on va faire gaffe. Mec a le droit de crier en mourant, super. Ceci dit, c'est logique. Hop, alors on se dépêche. On les a, c'est bon, on se tire. 10 000 âmes, c'est pas assez. Voilà. Parfait. Et donc, nous allons nous téléporter dès maintenant. Putain, ce truc, s'il faut qu'on trouve comment on y va, hein, ça m'intéresse beaucoup trop. Ouais, ça, on peut le virer. Quoi, mais... C'est pas comme ça que ça marche, les grâces, en fait, connard. M'a saoulé. Il me pète les burns, ces trucs-là, c'est insane. Non. Au fur et à mesure, on va... Putain, je vais y arriver. Au fur et à mesure, on va virer les marqueurs que j'avais mis de PNJ, hein, puisque maintenant, le jeu nous le dit. Voilà. Parfait. Je sais, on récupère... On fait tout ça pour récupérer une arme qu'on va sans doute pas utiliser, hein. Mais, voilà, j'ai envie de... De faire ce que je veux sur ce premier playthrough, rappelons-le. Ah oui, je suis encore buffé en plus. Vrai. Donc d'abord, on va nettoyer le passage. On va tuer le gros, là. Le gros qui est juste là. Oh, putain. Trahison, disgrâce. Oh, merde. Qu'est-ce que je fais? Ok. T'es où? T'es là. Fuck. Oh merde! Oh par contre, il monte son dos! Je vois rien. Ok. C'était plus compliqué que prévu, mais c'est passé. Maintenant, il faut qu'on arrive à attirer le troll. Ah oh, putain, ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas que ça. Oh, c'est vrai qu'il crache du feu. Ok, nettoyons bien tout, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un accident. Même si ça va sans doute arriver. Oh putain, j'ai raté vraiment. Je vois rien. Oh la panique. Ok.
Oh. Le backstab un jour. Bien, bien, bien. Ok, le troll est là. Mais il est pas tout seul de mémoire, il y a d'autres mecs. Ouais, exact. Oh! Bon, on va pas s'emmerder. Ok, allez, viens, Popper. J'ai un taf pour toi. Ah, mais faut peut-être qu'il ait son épée d'abord. Allez, viens. Oh! Oh, le grid. Tu me suis, hein? Bien sûr que tu me suis. C'était juste là, ouais, c'est ça. Allez, viens. Et si ça marche pas, bah j'ai l'air d'un con, mais Allez, on va faire comme avec l'autre. Allez, essaye de me frapper. Ok, ça a pas l'air de marcher. Donc, on va essayer avec l'épée. Ouais, avec ça. Oh! Si, c'est bon, il l'a anéanti. C'était juste des pierres de forge. Bon, par contre, il y a 12 000 âmes en jeu. On va se le faire, hein. Ok. Bon. Oh. Ok, c'était bel et bien ça. Il a explosé la statue. Alors comme ça on saura hein, si on trouve d'autres items du style ou si c'était vraiment juste un petit secret comme ça. Mais juste pour des pierres de forge, ça me paraît bizarre. Mais au moins c'est fait. Cool. Content. Content d'avoir pu confirmer ça. Yeah. On va du coup, avec toutes ces runes, passer un niveau. Hop. Célébrer notre victoire. Ouais. On avait 25 en vigueur. De la Dex. Ouais. Hein. Améliorer nos dégâts. On mettra de l'endurance aussi quand on pourra. Donc ça c'est fait. Ça, on trouvera comment y aller hein, un jour. C'est sans doute un passage secret ou quelque chose du style, mais on trouvera. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas faites encore en bas? Oui, bien sûr, sans doute, mais on peut enlever celui-là aussi, voilà, lui aussi, voilà, ah oui, il y avait les vieilles aussi, j'aimerais bien la revoir, elle, pour me rappeler ce qu'elle disait, mais je pense qu'elle parle de l'autre vieillarde, il me semble qu'elle parlait de sa sœur ou je sais pas quoi, donc je pense qu'elle parle de elle, donc lui aussi, ce truc-là. On essaiera de s'en rappeler. Il y a une grotte ici aussi qui pourrait être intéressante. Mais ouais, on va rester sur le plan, je pense. De... Bon, on a clairement pas tout vu de ce côté-là, je pense. Mais de, ouais, de continuer. De ce côté-là, de Rhea Lucaria. Puis il faut qu'on trouve, ouais, la zone de Mikaela. Et son arbre monde. Je pense pas que ce soit... celui-ci, parce que là, c'est la zone de Radahn. Ou alors c'est vraiment la zone de Mikaela qui est full pestiférée et tout, et Radahn est chargé de la nettoyer. Auquel cas, il faut qu'on arrive à tuer ce truc, mais c'est un peu vénère, on se rappelle. Sinon c'est un autre arbre monde, auquel cas ça peut être celui-là. Hein. Qui sait? Ça se trouve c'est juste ici. Hein. Et il y a celui-ci qu'on a fait, du coup déjà. Donc ouais, non, on va... On l'a, de toute façon, on l'a avec nous maintenant. Ah merde, je l'ai mal équipé, attendez. Ah oui, j'ai mis le 5Q.
Enfin, j'ai changé avec le thank you. Bonjour, merci, au secours. Au secours, c'est très bien. Et donc ça. Elle est où? C'est une légendaire. Ouais, voilà. Coup de compétence 74. Bon, on a pas assez? On a 90. Ah oui, parce que c'est plus cher, tout simplement. Oui, oui, oui. Vu. Ok. Cool, donc partons vers le nord. Avec notre nouvel allié. C'est plutôt 60, ouais. Ça se trouve, elle est trop forte et elle va retourner les trucs, mais c'est juste, voilà. Vu que j'ai absolument jamais joué avec esprit jusqu'à maintenant, juste pour one-shot un boss et tout, et qu'on a bien défini que c'était un peu trop fort pour les boss, on va quand même la garder, en garder un pour la démonstration, voir un peu ce que ça fait quand on est en open world. Comme ça, voilà, s'il y a des gens qui regardent ici et qui n'ont pas encore fait le jeu, si ça les intéresse, les esprits, et qu'ils disent « Bah merde, il le fait jamais, je pourrais jamais voir ce que ça fait !» Et ben voilà. Avec elle, on saura. Oh, ho, ho, ho. Un nouvel obstacle se dresse sur notre route. Une geôle. Mais elle a pas les... J'allais dire, elle a pas les chenilles, mais si, elles viennent de pop. La geôle éternelle du coucou. Oh, ça va être un foutu mage. Ça va être un foutu mage. On va la marquer. Attendez. Voilà, parce que j'aimerais bien voir s'il n'y a pas une grâce pas loin. Et s'il n'y en a pas, on tente, on meurt dessus, et voilà. Oh oh, une harpie. Alors j'espérais quelque chose de plus cool, honnêtement. Genre une grâce. Oh, il y a un gros nid là, il y en a plein là. Est-ce qu'on essaye? La dernière fois, ça nous avait donné pas mal de choses. Hein. Ok. Oh! Ok, pas contente. Bon, on se rappelle qu'elle grabe, elle, hein, donc j'ai clairement pas envie d'essayer de lui donner cette chance. On va jouer une fer aussi. Oh merde. Tonomeda. Non, ça n'a pas suffi. Alors attends un petit coup. Voilà. La crima, mes genoux, hein. Parfait. Oh, et la pluie qui se lève. Alors j'ai pas repéré de grâce, si ça se trouve, il y en a une tout près. Et ceux qui connaissent le jeu par cœur vont hurler. Eh bien, sachez que voilà. J'ai entendu vos cris et vos complaintes. Hop. Voilà. Alors, nous avons combien de runes? Pas beaucoup, donc on peut aller vite fait tenter un petit coup, voilà, parce que pour moi, comme dit, c'est ma dernière action sur cette session de record. Il y aura sans doute un montage hein, pour rendre ça à la suite pour vous, donc pas de panique, bien sûr, vous êtes entre de bonnes mains, cœur et amour, tout ça. Donc, ouais, on va tenter la geôle. Au mieux, la first try est formidable, joie, donc ça veut dire qu'il faudrait que je me repose à la au bonfire, si je veux faire ça. Donc ouais, au mieux on la one shot, on la first try plutôt, et voilà, c'est la joie, c'est le franchement les clameurs, la fête, les confettis, et vous m'admirez, vous mettez des pouces bleus parce que ce joueur est trop fort. Au pire, ça n'arrive pas, et moi je vais me faire un sandwich, et vous on se retrouve après une ellipse, hein, voilà, dans tous les cas, voilà. Bref. Il est temps. Essayons. Donc à mon avis,
Si c'est un mec du coucou, il va y avoir des spells, ou alors il va faire ses épées dans tous les sens. Ok, pas du tout. Je dois avouer que je m'attendais pas du tout à un chevalier troll. Wow. Je m'attendais pas à ça du tout. Oh, je me suis jamais buff, quelle erreur. Il a des spells, hein. Ok, doucement. Ouh. Ok, on y retourne. Fuck, dommage. Oh la range. Saleté, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il crache. Attention. Oh, ça désarçonne en plus. Ouh. Mais il court si vite. Il court si vite, le con. Oh merde, je commence à prendre cher. Oh la panique, je vois rien. Attention. Ok, on y retourne. Merde, c'est le... C'est là-haut. Oh merde, on est contre le mur. J'avais pas vu. Oh la panique. Oh non, pas maintenant. On va essayer de les bait. Oh! Oh yeah, baby! Easy! Voilà, hein, n'hésitez pas, bien sûr, le pouce bleu, les commentaires, la clameur. N'hésitez pas, bien sûr, à célébrer. C'est incroyable victoire. ouais, donc, c'était cool. On a eu un nouveau spell, j'imagine, du coup, les énormes épées qu'il castait. Créer un arc défensif composé de grandes lames éclat magiques. Sorcier de la famille royale de Caria génère dans les airs un arc défensif composé de grandes lames éclat magiques. Attaque automatiquement tous les ennemis à proximité. Sera utilisé par les chevaliers trolls enchantés. Ces derniers, liés par un serment, œuvraient aux côtés de la jeune Rhenala. La fameuse Rhenala, hein, qui nous attend sans doute au sein de ce château. Et c'est aussi grâce à elle, visiblement, qu'on aura accès à notre Comment on appelle ça? Ristack? Enfin, non, pas Ristack. Comment on appelle ça? Respec, tout simplement, pour virer les points de force et mettre des points de dextérité. Cool. Ah mais oui, on était encore buffé en plus. Et on est en deathless depuis un petit moment là, hein. C'est beau. ouais. Donc ouais, on va continuer. Vu qu'en plus là, les grâces commencent à me diriger vers le nord, pardon. Il y a visiblement quelque chose d'autre au-dessus. Avant de nous attaquer à ce côté-là, et un peu au milieu, on va continuer hein, sur cette berge. Voir ce qu'elle nous réserve. Il y a ça aussi hein, qui m'intéresse. Voilà. Et puis ouais, hein, tout simplement. Oh, il y avait des méduses rouges là-bas. Attendez. Pourquoi elles sont de base vénères, les méduses, là? Oh. Effrayant. Est-ce que j'ai de quoi valider un level up avec ce que j'ai, là? Bah oui, regarde-moi ça. Attends... Il faut combien? Je me souviens plus. Ah, j'en ai trop. Oups, mais c'est pas grave. Montée de niveau. On va remettre dextérité pour passer à 25. Voilà, comme ça on est en 25-25. Ensuite on mettra l'endurance.
Endurance vigueur, encore un peu, je pense. Mais ouais, ça sera pas mal.